Salut les gamers, tu peux t'asseoir Guilhem, je t'en prie. Je vous présente Vincent et Guilhem. Aujourd'hui, moi vous me verrez pas. Je vais filmer les deux beaux gosses sur une petite partie, sur la première partie de First Blood sur la chaîne. Donc Guilhem aura la victoire morale parce qu'on a complètement zappé un truc. Vincent n'a pas peint toutes ses figues et pensé utiliser les miennes. Mais moi les miennes sont toutes aimantées sur les stands et je n'ai pas de socle sur mes figurines individuelles pour les jouer à First Blood pour le moment. Donc c'est pas grave, on l'a fait quand même. Donc Vincent aura des figurines quasi non peintes, sauf une, je crois. Et Guilhem va jouer du coup du Old Dominion contre du Sang Royaume sur un scénar First Blood à trois objectifs, avec un objectif central qui sera représenté par l'arbre monté sur le rocher, un premier bâtiment ici à prendre qui sera côté Old Dominion et un second bâtiment ici côté Sang Royaume. Rappelez-moi les scores, Vincent. 3 celui-là, en gros un hostile pour toi, donc 3 points victoire pour toi. Et 1 pour lui. 1 pour le central. 2. Et 2 pour le central. Et pareil pour l'autre, 3 pour et lui, 1 pour toi pour celui-là et 3 pour toi celui-là et inversement pour Guilhem. Donc on a fait en off le déploiement, c'est Guilhem qui a gagné, qui s'est déployé, Vincent s'est déployé. Et nous allons du coup faire le G tactique, enfin G d'initiative, G tactique, G de suprématie, on s'y perd avec tous ces jeux. 4, tu prends la main. Et bah c'est parti pour le tour 1 avec les 100 royaumes qui commencent. Fin du tour 1, donc beaucoup de mouvements. Nous avons donc notre ami Vincent qui s'est pris position avec ses longbowmen ici. Imperial Ranger. Il fait un Imperial Officier, accompagné d'un dueliste qui s'est mis un petit peu derrière, et son unité de Légion avec leur patron Cabance. Les Légionnaires se sont casés ici. Il y a 4 Kérès qui suivent par derrière. L'Auxiliarte ici et là pour les Prétoriens. Il s'est un peu collé quand même pour pas qu'ils puissent se faire tirer dessus. Même s'il n'est pas encore à portée, il prévoit au cas où. C'est ça. Et nous allons attaquer le tour 2, les gars. J'ai de suprématie, allez-y. 2 et 2, match nul, balle au centre. J'ai une unité de moins, donc j'ai. T'as le plus 1 et le moins 1. Plus 1, moins 1. Tu décides de faire quoi? Ben, je vais le prendre. Donc tu prends l'initiative. Fin du tour 2. Bon, pas encore grand chose. Les gars se regardent en chien de faïence là. Le Xiliart, il s'est déplacé, les archers se sont repositionnés un peu mieux pour avoir gagné quelques pouces de tir. Guilhem a lourdement hésité, mais bon, faut y aller. Il lance l'offensive en contournant le Peter Wynn. Bah forcément, on a les légionnaires et puis la légion qui viennent prendre l'objectif, et les Kérès qui s'avancent aussi pour prendre cet objectif-là. Donc ça nous monte les scores à 2. À 1, parce que les deux prennent leur objectif, mais Vincent l'avait déjà dès le tour 1. Et celui qui est au milieu. Combien les tiens ? Donc les légionnaires et les légionnaires en face, on va dire, la Légion Dorée, sont. Non, c'est pas la Légion Dorée, pardon, la Style Légion, sont tous les deux sur l'objectif, mais la First Blood, c'est en termes de points par rapport à la puissance ou la catégorie de l'unité. Donc là, lui, c'est du lourd, lui, c'est du léger. Médium. Vincent qui prend le point central, donc il marque 2 points pour l'objectif central, 1 point pour le sien, donc il marque 3 points pour là, qu'il passe à 4. Et Guilhem prend 1 point avec celui-ci. Et on va donc attaquer avec le jet d'initiative du tour 3 qui va être important. Qui est crucial. Un beau 4. Un beau 4, ça peut passer. Allez, on y croit. Et un beau ça 4. Ça passera pas. Vincent, que décides-tu de faire avec le plus 1 moins 1? Bah, plus 1. Enfin, moins 1, excusez-moi. Pour commencer. Il a dit plus 1. Il a dit plus 1, je vous passe êtes à 3. Vous êtes plus 1. Je passe à 3. Donc plus 1 sur le dé de Guilhem pour que tu. Voilà, c'est une bonne t'as idée pas précisé. Début du tour 3, Vincent, tu commences par quoi? Les Imperial Rangers. Et ils vont faire quoi, tes Imperial Rangers qui sont juste ici? Ils vont tenter de tirer sur ces prétoriens. Et bah, c'est parti. Une belle flèche, donc ils ont combien envolé? Ils ont 3 envolés. De base? Ouais, 3. Et d'un coup, ils attaquent chacun, mais ils ont barrage 2. Donc 2 tirs chacun. Avec 3 ils s'inspirent? Ah bah oui.
Donc il passe à 4. Ouais. Donc où je crois que j'en ai un qui n'est pas apporté. Lui. Ouais, c'est ça, le dernier il n'est pas apporté. Donc ils ne tireront pas tous. Il n'y en a que 7 qui tirent sur 8. C'est déjà pas mal. C'est ballot. Donc ça fait que 14 tirs. 14 tirs, volé 4. Touche à 4. Aïe, aïe. Est-ce qu'il a une protection peut-être par rapport oui. au petit ruine? Il a plus 1. Ça donne plus 1 à ta défense. Plus 1, plus mon bouclier 2, donc ça fera une défense qui sera intéressante quand même. De 4. Le légionnaire a 1 en défense de base. Non, c'est prêt, toi, ils ont 2 en défense donc, 2 de base, 3 avec le bouclier. 3 avec le bouclier, 4 avec la ruine. Et toi, t'as un armure piercing? Non, pas sûr. Enfin, donc ça va, tu vas pas prendre si cher que ça. Donc, toi, tu seras à 4 en défense et lui, il fait moins 1, donc on va à 3. Non, tu, oui, tu fais moins 1 2. En piercing armor. Non, t'as rien. Non, j'ai pas de piercing armor. Donc tu restes à 4. Autant pour moi. Moi, je suis à 4. Allez. Ah, j'ai oublié de lancer un dé pour mon chef, excuse-moi. Tiens, c'est pas moi. Donc tu touches à 4 ou moins. 4. Il y en a quelques-uns. J'en ai il y quelques-uns. En a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal du tout. Je rate que 3. Tiens. Donc 13. Tiens, 13 touches. 13 touches. Tu veux t'aider ou tu veux les miens? Je prends les miens, ça te dérange pas. Bon, ça, ça change rien. C'est, si, ça change tout. C'est pas les dés qui sont coupés, c'est le poignet. Bah, t'en as quand même. Ouais. Pas mal. 3. Bah, j'en vois 3 de raté. Ouais, c'est bien 3, moi ça me va. Le prétorien en 2 points de vie. Donc tu vas perdre un mec. Et un qui va rester un point de vie. C'est bien déjà. On va proposer de mettre les dés roses pour les points de vie. Petite charge de Vincent. Ouais. Donc j'ai chargé. Et en deuxième action, je tape. Donc on voit mal à Éclair, hein, mais ils sont sortis de derrière pour charger les petits légionnaires. Qui sont, alors pourquoi ils ont chargé les légionnaires et que c'est pas les légionnaires qui ont chargé? Alors, Guilhem, peux-tu nous raconter l'histoire? Alors, tout à fait. Alors ça commence par, il était une fois. Il était une fois une troupe de légionnaires qui, posés près d'un arbre, se sont dit, tiens, il y a d'autres légionnaires en face, des pleutres, des faux, des mecs qui ont fui à l'époque. Si on les chargeait, on est sur du 2+. On est sur du 2+, sur les 10. 2+, ça peut passer, ça peut passer. Les trucs, c'est voilà, ils ont vu leurs belles armures résultantes et leurs grandes épées. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'acier était bien poli, ça a ébloui mes légionnaires qui se sont pris les pieds dans la racine. Et du coup, ils sont restés. Et ils se sont dit, ils ont carrément bien foiré leur charge. Si on faisait juste un pas et qu'on attendait de voir ce qui se passait. Exactement, c'est triste. C'est très triste. Et ce qui en découle qu'en réponse, Vincent s'active et charge. Moi ouais, j'ai chargé, et bizarrement, vu qu'il s'est apporté, même sans lancer le dé, j'étais à portée de charge. Ça t'a évité de te prendre les pieds dans les racines. Je l'ai lancé un dé, donc j'avais même 2 pas de plus. Oui, mais ça va. Donc là, j'ai mes 2 styles légion qui sont là-dessus, mon chef plus un autre, donc 3 attaques. Donc là. Heureusement, je te dis de jeter les dés sur la carte. Ah merde, excuse. Là, c'est encore bien. Il y avait 2 6 dans cette carte. Il y avait bien. Donc, le premier jet que j'ai fait, j'avais fait une touche. Et 2-6, mais vu que j'ai fleuri, je relance. Et ce qui change rien, ça fait 3 touches. Ça fait 3 touches. Et il décède. Le porte-étendard retourne. T'as pas de sauvegarde? Non. Non, parce qu'il a un cliff 2. Donc même s'ils ont une armure 1 plus un bouclier, ça fait pas le coup. Bah 2 moins 2, ça fait 0. C'est ça. Mathématiquement, on n'est pas trop mal. Et bah, du coup, il y a 0 étendard. Ensuite, t'as quoi d'autre qui tapouille? Et là, d'un coup, j'ai mon Dreadmaster plus 2 qui lui tape dessus. Ce qui fait une attaque pour chacun de mes 6 légions et 4 attaques supplémentaires par le Dreadmaster. Donc n'oublie pas. Donc, ici. Mes styles légion ont un clash de 3 et mon Dream Master n'a qu'un clash de 2. Et ben, ça s'est raté, mais vu qu'il y a fleuri, je relance. De toute façon, il y a les 2 touches de mes 2 tétards qui ont fait 2-1. Et étant donné que pour chaque 1 qu'ils font, ils font un dégât supplémentaire, il prend 4 dans les dents, il est mort. C'est moche. C'est. Voilà. Donc, son magnifique lancier est décédé. La style légion s'attache. Ah, un bête. C'est un incontournable des alors, bon, faut que je le retire le. Donc là, Guilhem actionne ses prétoriens. Il fait une petite marche en première action. Et en deuxième action, il va nous faire une petite charge des familles pour aller tenter de bloquer les archers pour éviter de se reprendre des salves. C'est. Les bloquer, bah, essayer de. Ouais, c'est. Donc c'est une charge à combien Allez, on va tenter 4 plus, ça se fait. 4 plus et 23 plus, j'y crois. 4 plus, c'est une chance sur deux. Oui, tiens. La magnifique. Guilhem, ouais, on applaudit, on applaudit. Avance de 1 pouce. Dans ma direction, en plus, ça fait beau. Coucou. Donc Vincent active maintenant, dernière activation, c'est l'impérial officier qui va tenter une charge là-bas. Il prend un très très gros risque parce que c'est une charge à 2+. Et on a bien vu par le passé que l'ancien dominion nous l'a prouvé à 2 reprises que à 2+ à faire, ça n'est vraiment pas facile. C'est pas qu'il en fait. Et juste avant de charger, il va donner un ordre, il va faire une press the advance. Kalaxand, qui va donner la règle fleuri. Ouais, pour lui ça. Et son pote. Jusqu'à la fin de la première donc je peux choisir lui comme une autre unité, mais je vais choisir lui. Et puis les autres font de base. Donc là, faut que je fasse 2+.
Attention, bien devant. Oh, et il fait un 1. Il l'a enlevé bien vite, mais vous l'avez vu, il a fait un 1. Donc attention, ça fait quand même 3 charges qui sont faites, ou 3 charges, on fait des 1. Ah, c'est ça. Pour l'instant, la seule charge qui a été réussite, elle a été auto. Donc il n'y avait pas de dé à lancer, heureusement. Sinon, il n'y aura pas de corps à corps sur cette partie, je crois. Quelle belle partie. Guilhem, du coup, active ses Caress. Caress. Petit mouvement de drift par là-bas. Voilà, c'est ça, je me suis décalé, histoire de prendre un petit bout d'objet. Même si là, ça n'a pas d'incidence, mais au moins, t'es en position. Je suis en position, et je vais lancer un sort de folie sur la Steel Légion, qui est là-bas, qui est en train de s'amuser avec mes légionnaires. Et bien, écoute, on va... Voilà, star des tirs de volée, le magie peuvent se faire au corps à corps. Peuvent se faire au corps à corps. Donc j'ai 3 en prêtre, donc j'ai 3 dés. Seuil de réussite de 3 pour le sort, donc 3 au moins. Et puis dans le prix pour avoir les deux. Chaque succès, ça fera 2 touches. Voilà. Et c'est du 3 au moins. Et c'est du 3 au moins. Donc là, tu fais un beau 2 réussites, ça passe. Du coup, tu fais 4 touches. 4 touches. Alors, petite règle spéciale du sort Madness. Les jets de défense, il va pas les faire avec sa caractéristique de défense, mais avec sa caractéristique de résolution non modifiée. Non modifié. C'est la règle de son sort non modifié. Donc prends ta résolve de base. Donc c'est de la réussite à 3. Bah c'est pas Tintin dans la mer. Hein. Oui, là c'est quand même de l'élite. C'est quand même dur. Il a pris de l'élite. Hein. Ouais. Hop. Bah c'est bon si je vais être là. Oui. Et ben j'en réussis 2. Et ben c'est bien ça. C'est pas mal, 50% ses stats. Et comme tu as perdu, tu ne fais pas de faire de morale parce que le sort s'est précisé que ce sort-là ne fait pas faire de test de morale. Tu as moral encore, toi. Donc fin du tour 3. Le Xiliart en dernière action. Guilhem a emmené son Xiliart ici, il a fait attention de le mettre en dehors de portée des archers qui sont sur leur petit bâtiment là-bas. Donc au scoring, Vincent était à 4, Guilhem à 1. Vincent va passer à 7 parce qu'il remarque un point avec le. Là-bas. Les archers toujours qui prennent le décor ici, et il marque encore 2 points que le central parce que Guilhem n'a pas assez de monde dessus pour le contester au minimum, donc il marque 3 points, donc il passe à 7 et Guilhem reste à 1. Petit test d'initiative pour le tour 4. 6. Mais bon, il a tué un caresse au passage. Ouais. 2. Donc c'est Guilhem qui commence. Guilhem a donc l'initiative, active ses prétoriens en premier. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je vais tenter une charge sur la. Vous avez bien entendu? Il tente une charge. Attention, gros level, 2 plus. C'est pas gagné, mais. Faut tenter. Depuis le début, on est que sur des charges à 2 plus qui sont ratées. Parce qu'on sait tous, bien évidemment, que la charge à 2 plus est la plus compliquée à réussir. Ouais. Ouais. Donc, mais là, tu retentes le. Là, je tente. Tu tentes le one shot d'une chance sur 6 de rater. Ouais. Et à vaincre sans péril, on perd sans gloire. Donc... Ça c'était beau. Et ben voilà. Eh ben oui, parfait. Oh, c'est magique. J'applaudis. C'était magnifique. Une belle charge à 2 plus encore et encore. Ce qui vous prouve bien, les amis, que quand vous faites des charges, allez chercher des charges auto. Les charges à 2 plus, c'est surfait, c'est bien trop compliqué. Magnifique. Donc la charge à 2 plus, il retente. Est-ce qu'il va réussir? C'était juste. D'un coup, on fait bagarre. La bagarre sur les caresses. Alors, donc l'impérial officier tape avec ses 4 attaques et clash 3 grâce à l'inspiration de la charge. Et il a le fleuri, parce que tu l'avais mis le fleuri, donc il relance le jet de touche raté. Bah ça fait 2 touches. Ça fait 2 touches. T'as à fendre quelque chose? Non. Mais non, mais de toute façon, je vais utiliser. T'as 2 évasions à 2. 2 évasions à 2. Allez mon Guigui. C'est raté. C'est raté, donc ça fait un mort. Donc maintenant, c'est le dueliste qui tape, qui lui est meilleur que son patron. Et en même temps, c'est un dueliste. Achète pour chaque 1, c'est une attaque en plus. Donc il a 4 attaques qui touchent à 4. Il a fait un beau triple 1, donc 6, ça te fait 7 touches. Ça te fait 7 touches. C'est rien. Tu as 7 évasions à faire. 7 touches, ouais, c'est ça. 7 évasions, vas-y. 7 évasions à 2, bon, ça se fait. Facile. Ça se fait easy, moi je suis pas inquiet. Bah écoute, regarde, t'en as réussi une. J'en ai réussi une. Donc ça fait mathématiquement 6. Et ben il meurt. J'ai 3 persos et ben ça fait 3 fois 2, 6. C'est parfait. Donc activation du Xiliart qui fait une petite charge auto. Hein, parce qu'on a bien vu que c'était compliqué de charger de nos jours. Donc on a fait simple, une charge auto sur le patron. Et en plus, il se met à portée de son objectif parce que le Xiliart a une règle spéciale qui fait que vu qu'il a porté de l'objectif, tous ses potes, et ben ils vont compter double pour les points pour le prendre. Donc là, clairement, il reprend l'objectif au passage et il va essayer de one shot. Donc le Xiliart, il a 5 attaques, c'est ça? 5 attaques. Il a 3 en clash de base, charge, ça fait 6. Ouais. Et ben c'est pas mal ça.
Eh ben allons-y. Eh ben allons-y gaiement. Allez, hop. 3 on a dit. Voilà. Donc en fait voilà, sur un clash. Chaque 4. Je touche à 4. Oui, t'es inspiré. Ah oui, parce que j'ai chargé. Et donc t'as ça, c'est un... Donc j'ai 2 touches. C'est un 5 ça. C'est un 5. Ouais. Donc c'est raté, c'est raté, donc t'as 3 touches. Non, 4. T'avais 6 attaques. Non, 5 attaques. 3 touches. 3 touches. Touches à fendre 1. Ok, bah moi j'ai une défense de 3. Donc ça passe à une défense de 2. Voilà. Tout simplement. Allez, fais pas comme lui, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Mets-les devant la caméra, les dés. Puis balance derrière le bâtiment là. Et bah voilà, 2 de ratés. 2 de ratés, donc tu perds 2 PV. Activation des archers qui vont tirer sur les petits prétoriens. Donc volet 3, inspiration, plus 1, volet 4. Ils sont plus à couvert. Ils ont 14 tirs, 15 avec le sergent. Et ça fait beaucoup. Pour ça, ouais, il y a pas mal de 5-6. Ouais, ça va, heureusement. Pas heureusement. Pour Guilhem, pas pour toi. Oui, voilà. Bah, je parle pour Guilhem. Ouais. Oh, c'est mignon. Ça y fait quand même un paquet. 8 touches. 8 touches, c'est pas mal. Que, je suis pris de côté, donc le bouclier ne fonctionne pas. C'est pas faux. Sur du. Ah, t'as une protection de 1 ou 2. À 2. Deux. Ils sont à 2 de base. Ouais. C'est, bah, c'est les prétos quand même. Hein. Allez, 2 plus. Oh, c'est pas mal, c'est mignon, ça. Bah, j'en vois déjà 4 réussites, moi. Il y en a un qui s'est caché derrière le bâtiment. Ouais, il y en a un derrière le bâtiment. Il y en a un derrière le bâtiment. Ah, bah, hop. Et bah, 5 réussites, t'avais 3 points de vie, bah, t'en perds tout pile 2. T'en perds tout pile 2 mecs. Action des légionnaires qui vont taper 2 fois parce que l'auxiliaire leur a dit vous taperez 2 fois. Pour faire simple, il va faire ses 2 attaques tout de suite. Il est à portée, on a regardé, donc chaque légionnaire, ils sont 4 à taper, ils peuvent tous taper sur un mec différent. Donc on a regroupé les dés par 2, sauf bien sûr les petits qui seront pour son leader qui lui a 2 attaques de base, donc va taper 2 fois, donc 4 attaques en tout. Et les roses, ça sera les attaques qui taperont le leader des humains. Et ça touche du coup à 2. 2 plus. Deux moins. Non, le 2 plus rate, faut pas. Ouais, bah oui, bah rien. Eh bien, comment vous dire? Je crois que j'ai une réussite sur un pécor. Sur un pitou de base. C'est plus classique. Pourquoi c'est une clash combien, toi? 2. Eh ben, il y a aussi lui. Non, c'était pas lui, ça. Non, c'est pas lui. Attends. Ah si, 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 t'as une touche. T'as une touche sur un pécor et une touche sur un leader. Et ben, le leader, je vais prendre ce dé là. Et l'autre péco là. Tout simplement. Donc j'ai une défense kill légion de 3. Donc le rouge, hein, c'est mon chef. Ben, ouais. Je rate mon chef. Il perd un point. C'est parti pour la réplique de la Steel Légion. Allez, vas-y, fais les premiers qui tapent. Donc il a 4 Steel Légion qui vont taper. Donc là, il en a 2 qui tapent sur lui-même. Donc t'as 2 touches. 3 touches. Là, tu prends une blessure et t'as 2 défenses. Ça va, donne les mains. Tiens, t'as 2 défenses. 2 défenses. Une blessure. Sur lequel? N'importe lequel? Là. Ouais, j'ai fait un 3, j'ai pas fait de 1, donc c'est bon, j'ai pas de dégâts en plus. Ah, j'ai oublié de le faire et tout. Eh bien, comment dire? Ouais, ils sont morts. T'es un mort. Lui, là, il est mort, le chef. Le chef est mort et j'ai qu'une seule attaque. Passe d'arme suivante. Une attaque sur le mec qui est déjà blessé. Clash 4. Ça rate. 6, c'est raté. Et après, t'en as encore 3 qui vont taper sur un légionnaire. 3 sur le dernier. Dont ton leader. Donc ça te fait 4 attaques. Ah oui, pardon, c'est pas faux. Clash 4 avec inspiration. T'as fait 3 touches. 3 touches, donc il est décédé. Il est décédé, le gars. Parce qu'il faut en face, plus 2. C'était lequel? Celui qui est tout à droite. Celui-là. Donc ça fait 2 morts pour les légionnaires. Activation des caresses, du coup il balance sur la période officielle qui reste plus de 3 points de vie. Un petit coup de folie. Donc le sort de tout à l'heure, donc à 3. Et bah 3 belles réussites. 3 belles réussites. Il prend 6 touches. À 4 plus. À 4 moins pour te défendre. Parce qu'il a 4 en. En résolve. Ouais. Et bah, je crois que c'est un full réussite. Deuxième action. Bon bah les caresses, dernière chance, ils chargent. Il charge le patron, donc il touche à 2 parce qu'ils sont inspirés grâce à la charge. Donc fin du tour 4. Vincent, on vient de compter malgré le tricks avec l'auxiliaire qui double les points. Il a eu trop de pertes en fait. T'as perdu trop de légions. Il y a eu trop de légionnaires de mort. Du coup, il a toujours l'ascendant Vincent au niveau des points. Donc Vincent va marquer les 2 points du central plus le point toujours des archers. Donc il passe à 10 et Guilhem à 1. Et là, je vous pose la question, les gars, au vu de l'heure, est-ce que ça vaut le coup de continuer la partie? Clairement.
C'est, bon, c'est un botage de cul. C'est un botage de cul. Non, c'est un botage de cul. Je ne jamais au niveau des points. Il était brisé. Voilà, en plus, il a. Tu perds 3 actions. Ces 3 unités qui restent chez les Dominions sont brisées. Là, clairement, tu vas perdre tes légionnaires parce que lui, les siens sont quasi intacts. Bah, clairement. Tu risques de perdre ton auxiliaire aussi parce que tu vas te prendre des bâches des mecs. Tes légionnaires vont pas aimer la blague des tireurs. Là, clairement, enfin, si on théorise le tour suivant, même en fonction des activations, tu perds une unité de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vu que t'auras pas de charge auto, donc tu pourras pas réussir de charge. Parce qu'on a bien vu que le Dominion, s'il ne s'était pas la charge auto, il ne voulait pas charger. Donc, là, de toute façon, il y a 10 points de victoire à 1, c'est impossible pour toi de remonter. Clairement, le score est vraiment trop gros pour Vincent. Donc, on part sur une belle victoire du sang royaume. Hein. Oh, bah, clairement. Et les Dominions vont retourner dans leur tombe. Bah, l'auxiliaire conclut, donc pour d'après, moi je te vois pour vous. Non, bah, première partie, hein, pour. C'était une première partie, j'espère qu'on n'a pas fait trop de boulettes en termes de règles. Certainement une, mais c'est pas grave. Après, voilà, c'était l'histoire de bien découvrir un petit peu First Blood et de vous le montrer que la version escarmouche par rapport à toutes les vidéos qu'on a déjà pu faire sur le Last Argument of Heroes. Et bah écoute, bah, c'était sympathique. Oui. J'ai vu mes Dominions évoluer sur une table. Voilà. J'arrête pas de faire tour de 1 quand je vois. Ouais. Ah, c'est clair, c'est Eh ben encore une fois, on se retrouve pour une prochaine partie.